Alors que l'incertitude n'a jamais été aussi grande sur le futur de Jacob Zuma à la tête de l'État, le président sud-africain ne devrait pas s'inquiéter du soutien de ses partisans à l'Assemblée nationale à propos de la motion de défiance de l'opposition. C'est du moins ce que croit la firme britannique BMI Research, s'appuyant sur l'influence dont jouit le président sud-africain au sein de l'ANC. Le texte qui devait être voté mercredi par le Parlement a été reporté à la demande de l'opposition. Cette dernière a saisi la justice pour obtenir un vote à bulletin secret, ce qui, le cas échéant, risque de faire basculer le sort du président Zuma. Pour en sortir indemne, le chef de l'État sud-africain compte sur la majorité de l'ANC à l'Assemblée nationale, comme ce fut le cas lors des 5 précédentes motions de défiance. Sauf que cette fois, les divisions au sein du parti au pouvoir risquent fort de peser sur la balance.